Gémeaux, bienvenue dans votre vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc ça concerne la période qui va du 17 juillet prochain jusqu'au 31 août 2021. Alors il y a un petit changement au niveau de la structure du jeu. Il y a toujours donc la carte d'ambiance pour la période donnée. Il y a toujours la carte astrologique de la maison qui donne en fait le thème sur lequel se concentrer durant la période. Et puis, alors c'est ici qu'il y a un changement puisque j'ai priorisé maintenant l'aspect présent. Donc, c'est la carte qui représente le temps présent. Ensuite, on a la carte qui représente l'obstacle ou ce qu'il y a à développer concernant votre jeu. Ensuite, sur la dernière carte, c'est le point de l'évolution de la situation. Alors, on commence avec la carte d'ambiance qui est l'étoile et qui se trouve être renversée, donc dans son sens plutôt défavorable. Et ici, on va donc évoquer l'idée d'un inconfort au niveau sentimental, peut-être d'une absence ou d'un manque d'affection. Ça peut être aussi de l'incompatibilité d'humeur. Il y a une certaine froideur ou incertitude, une gêne qui est peut-être qui vient de l'extérieur. Ensuite, au-delà donc de cette carte d'ambiance, on a la carte qui représente, comme je l'ai précisé, le point sur lequel il faut se concentrer, le domaine sur lequel il faut se concentrer durant cette période. Et c'est la maison 6 qui justement apporte l'idée qu'il faut solliciter en fait plus de détails, d'informations sur le quotidien, peut-être d'implications sur le quotidien. Et avec la première carte sur le point présent, on a la carte de l'aguerri qui est beaucoup sortie en fait pour beaucoup de signes déjà. Alors c'est la période, je pense, qui veut ça, où il y a beaucoup d'engagement, d'implication, de volonté, de réalisation, de convaincre peut-être son ou sa partenaire d'aller dans une direction ou de faire ou de réaliser certaines choses ensemble. Et donc, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée dans ce sens. On est tourné vers la même vision des choses et on s'emploie coûte que coûte à ce que ce soit fait, à ce que ce soit réalisé. Et au point de vue des sentiments, eh bien, on a des sentiments qui sont très vrais l'un pour l'autre, qui sont sincères. Et voilà, et on l'exprime ouvertement. Sur le deuxième point, qui représente donc l'obstacle ou
ce qu'il y a à développer. On a la carte de l'instinctive. Alors, la carte de l'instinctive, la carte, excusez-moi, je m'arrête parce que j'entendis un énorme bruit. Point de vue du voisinage, je suis désolée si vous l'avez entendu, excusez-moi. Donc, je reprends sur la carte de l'instinctive, sur le point qui demande, qui parle d'un obstacle ou quelque chose à développer. Là, ici, cette carte parle donc plutôt d'impulsivité, d'agressivité, de manque de maîtrise de soi, donc de ses humeurs, des émotions, on peut tomber justement avec ce manque de contrôle, ce manque de maîtrise dans une situation qui pourrait être compromettante parce que on n'a pas fait de pris de temps de réflexion, de temps de calcul, de retomber sur les circonstances par rapport aux actes et aux attitudes qui sont faits, qui sont des choses qui sont dites. Et parce qu'il peut y avoir des choses dites qui sont blessantes, mais pas par volonté, pas par choix. C'est quelque chose qui vous échappe. Quelque chose qui vous échappe, qui sort comme ça de manière involontaire. Sur le dernier point, où on parle donc de l'évolution de la situation, on a une carte aussi qui est dans son sens donc défavorable et qui là va donner l'indication qui est par rapport à l'engagement de l'un envers l'autre. Il peut y avoir une certaine arrogance, une certaine fierté, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui vient par manque de contrôle, de maîtrise de soi. C'est pas quelque chose qui est volontaire, à mon avis. C'est que il y a un désir d'aller vers quelque chose de meilleur parce qu'on est dans une situation que l'on trouve inconfortable, que l'on trouve défavorable, et on a envie de changer et d'aller vers quelque chose, vers soi, mais de donner de soi-même avec beaucoup, avec davantage de perspicacité. Parce que on veut être le plus parfait possible. Parce que on veut donner davantage et apporter davantage de perfection dans la relation. C'est être à l'image de ce que l'on se fait d'une relation. Et or, donc, c'est difficile d'être sur Terre en étant dans la perfection. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'arriver au plus proche de ce qu'on souhaite et qui, pour nous, définit une perfection vis-à-vis de l'engagement envers l'autre. Voilà, chers Gémeaux, je vous souhaite un très bel été. Une très belle continuation, très belle et bonne continuation dans vos choix et la réussite, bien sûr. Voilà. Donc, à très bientôt et au revoir, chers Verseaux.